Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soir Coolo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir avoir un lobby bot illimité sur Call of Duty Modern Warfare 2. Alors pour réaliser cette astuce, ce glitch pour faire un lobby bot, il faudra déjà savoir faire le God Mode. Donc si vous ne savez pas comment faire le God Mode, il y aura une vidéo en playlist, en description et en commentaire épinglé qui vous indiquera comment faire le God Mode. Donc n'hésitez pas à aller la voir, voir la vidéo si vous ne savez pas comment faire. Ensuite, il faudra être deux joueurs. Le deuxième joueur, il faudra faire très attention qu'il ne doit pas mourir définitivement. Donc dès qu'il meurt, vous le réanimez. De toute façon, vous êtes en God Mode, donc vous réanimez votre deuxième joueur en illimité au cas où il mourrait. Parce que s'il meurt, ce sera fin de partie. Alors ensuite, ce qu'il faudra faire... Ah, bien entendu, si vous n'avez pas de deuxième joueur pour faire le glitch, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera en description en commentaire épinglé. Il y a un salon recherche de joueurs et un salon Modern Warfare 2. Donc n'hésitez pas à aller chercher des joueurs sur le Discord. Ou alors vous mettez votre gamer tag en description en commentaire épinglé pour trouver d'autres joueurs. Ou alors vous le faites avec un de vos potes si vous en avez un de dispo. Alors maintenant, quand vous êtes en God Mode et que votre pote est avec vous, ce que vous allez devoir faire, c'est de réaliser la mission. Donc là, il était marqué approcher de la zone, hein. Donc là, on est bien sûr sur la map, position de supériorité du mode multi, du mode coop. Donc voilà, ça fonctionne que sur cette map pour l'instant. Donc là, hop, vous allez dans ce bâtiment là. Donc vous, si vous y allez tout seul en étant en God Mode, ça ne validera pas la mission. Donc il faut absolument que le deuxième joueur qui est avec vous, donc votre pote, le fasse lui-même. Donc vous aidez votre pote à faire les objectifs. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On attend l'autre objectif. Ok, donc là ici, il est marqué détruire l'équipement. Donc hop, vous détruisez l'équipement. Ensuite, vous allez recevoir un autre... Ah ouais, non, il y en a trois à détruire. Ok, il y a trois ordinateurs à détruire. Tu vois le point, toi, Val? Non, mais faut le chercher, je crois. Ah, faut le chercher, ok, faut le chercher. Bon, bah voilà, il est là, il est là. Ok, donc quand vous avez détruit les trois objets, là vous allez recevoir une autre mission. Donc hop, restez bien avec votre pote, hein, parce qu'au cas où il mourrait. Donc le troisième objectif, c'est d'aller vers le marché. Donc on va vers le marché, tranquille. Ok, donc quand vous êtes dans le marché, il faudra encore détruire des équipements de communication. Ok, donc faites attention parce qu'il y a un mastodonte juste là. Je vais essayer de m'en occuper, voilà, parfait, nickel. Alors, un équipement de communication juste ici. Je pense que les trois équipements de communication se trouvent à l'étage, hein, au premier étage. Ok, donc là on en a trouvé un deuxième juste en face. Et là il en manque plus que un. Donc il y en avait un là-bas. Et là il y en a un troisième. Donc, voilà, vous le détruisez. Quand vous avez détruit tous les renseignements, il faudra récupérer le disque dur blindé. Donc je pense que c'est vers le mastodonte qu'on a tué. Je vais regarder. Mais je pense que... C'est le dernier objectif qu'on a cassé. Ah ouais, non. En fait, ouais, il est indiqué. Ok, parfait. Donc quand vous avez détruit le dernier objectif, vous récupérez le disque dur. Et là, normalement, ils vont vous demander... Ah, il y a encore un objectif à faire, en fait. Donc vous suivez un... Il faut aller au complexe. Ok, donc quand vous êtes dans le complexe, ben, c'est pareil. Hein, il faudra chercher trois équipements de communication et les casser. À mon avis, ils sont sûrement au premier étage aussi. Ok, donc là, il y a un équipement... Premier étage, deuxième équipement au deuxième étage, enfin au premier étage toujours. Là, il y a encore le mastodonte. Ok, donc le troisième, c'est bien les ordinateurs qui sont là. Mais là, c'était au rez-de-chaussée, hein. Donc là, ça vous donne une disquette. Récupérez la disquette. Et là, normalement, voilà, ils vont vous demander de vous exfiltrer. Donc là, vous retournez au point d'exfiltration. Et là, vous allez avoir des bots en illimité. Vous allez pouvoir tuer tous les ennemis que vous voulez. Gagner 10 XP en illimité sur n'importe quelle arme que vous avez, que vous trouvez par terre ou que vous avez pris. Hein. Et je pense même que le deuxième joueur peut quitter. Mais on va d'abord aller à la zone d'exfiltration et ensuite on va voir si Valentin peut quitter, si ça ne met pas fin à la game. Ok, donc quand vous êtes à la zone d'exfiltration, vous ne vous exfiltrez pas et vous avez une caisse de munitions là. Donc vous avez des munitions en illimité et des bots qui vont arriver en illimité. Donc on va attendre qu'ils arrivent. Ok, donc regardez là, les bots ils arrivent. Ils arrivent, donc vous vous mettez ici hein, sur le petit toit et vous les défoncez tous. Avec l'arme que vous voulez, bien sûr, et level up. Donc si maintenant bah, vous utilisez un pompe, vous en God Mode, bah, vous allez tout simplement près des ennemis. Et vous les tuez avec le pompe si vous voulez améliorer le niveau de votre arme, de votre pompe. Et vous faites ça en illimité. Alors, soit quand vous avez terminé, soit vous vous exfiltrez, ou soit
Vous vous tuez en allant en Eurozone pour mettre fin à la partie. Mais là, on va voir si Valentin quitte un peu la partie pour voir si ça met fin à la partie. Normalement, ça devrait pas mettre fin. Voilà. Donc là, quand votre pote vous a aidé à faire l'exfiltration, bah, vous pouvez lui dire de quitter. Et vous, normalement, vous devriez avoir des ennemis en unité. Quoique... Ouais, quoique, en fait, non. Il fallait... Il faut que Valentin... En fait, il faut que le pote qui est avec vous reste dans la partie. Parce que regardez, les bots, en fait, il n'y en a plus. En fait, ils captent pas que moi, je suis dans le jeu. Donc, les bots, ils attaquent plus personne. Donc, il faut absolument que le deuxième joueur reste. Donc, ça, c'est l'inconvénient parce que le deuxième joueur, ben, il sera pas en god mode. Mais vous serez en god mode et le deuxième joueur, ben, il devra rester près de vous pour que vous puissiez level up votre niveau d'armes et vos niveaux normal. Mais voilà, si vous le faites avec un mec sur le Discord, bah vous faites, je sais pas moi, 30 minutes chacun, et ensuite vous intervertissez les rôles. Hein. Comme ça, celui qui est en god mode, ben, vous relancez une partie, et celui qui était pas en god mode, ben, fait le god mode, et inversement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec, et ciao. Peace.